monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un haul action. J'y suis allée ce matin avec Gwen. J'ai trouvé des nouveautés en scrap, donc je suis trop contente. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, il y a des choses que je vais vous montrer en première partie, entre guillemets. Ce sera pas scrap et ensuite, ce sera scrap. Voilà, parce que ça peut peut-être en intéresser certaines. Alors, pour Poussin, je suis trop contente. C'est beau, c'est chaud. Je lui ai trouvé une paire de schlappes en forme de poisson. Enfin, de schlappes. Oui, chez nous, on dit des schlappes, des chaussons, des patins, je sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça des schlappes. Toutes douces, toutes chaudes, donc elles sont fourrées en forme de poisson, de requin. Peut-être un requin parce qu'on voit l'aileron, là, il y a les nageoires, et il y a la queue sur le côté avec des grandes dents. Je les ai trouvées toutes mignonnettes comme ça et puis vraiment bien chaudes pour l'hiver, donc c'est top. Il va être content, donc j'ai pris ça, c'était au prix de 4,99€. Les prix, je vous les donnerai comme ça de tête si je m'en souviens, sinon tant pis, j'ai pas envie de perdre de temps à chercher sur le ticket de caisse, mais bon, vous connaissez plus ou moins les tarifs maintenant, mais bon, ça c'était 4,99€. Ensuite, j'ai trouvé, donc ça ce sera pour des envois, c'est des galets de bain effervescents à l'effigie de Marie des Aristochats. Ça sent divinement bon, donc j'en ai pris deux. Il n'y en avait que deux. Après, il y avait d'autres designs, mais j'ai pris ceux-là. Ensuite, là, donc, ce sont pour... c'est des chaussettes, donc c'est pour mes gnomes. Donc, ce n'est pas en pilou-pilou, à proprement parler, comme ceux que j'utilise d'habitude. Mais c'est quand même tout doux. C'est aussi un aspect un peu laine. Et j'aimais beaucoup la paire rose avec les petites croix comme ça, argentées, un petit peu pailletées. Donc, ça, ce sera pour faire mes gnomes. Donc, il y a une paire grise et une paire rose avec... cette petite couture comme ça. Donc ça, je crois que c'était 2,49 ou 2,69, je ne sais plus. De quelque chose, moins de 3 euros c'est sûr, mais voilà. Et c'est tout doux. Ensuite, pour mes fleurs, pour couper des branches, etc. Un sécateur, donc ça c'était 1,99€. Ensuite, alors ça c'était dans le rayon de Pâques. Oui, ils ont déjà installé les décorations de Pâques. Un truc de dingue. Ils ne seront pas en retard, ça c'est sûr. J'ai pas pris de décoration ni quoi que ce soit sur le thème de Pâques parce qu'en fait c'est exactement la même chose que l'année dernière. Mais ça j'aimais beaucoup. Ça par contre l'année dernière je ne les ai pas vus. Donc ce sont des chemins de table qui font 45 par 150. Donc j'aime bien en fait ces couleurs vieux rose avec des petites rayures rose gold en foil comme ça. C'est super joli avec des froufrous sur le côté. J'ai beaucoup aimé, donc je les ai pris et comme ça lorsque je ferai une jolie table, lorsque j'invite du monde et que je veux faire une jolie table, je les utiliserai et puis ça, voilà, ça apportera un petit plus à la déco de ma table. Voilà, donc ça c'était, alors j'en ai pris deux parce que j'ai une table qui est quand même assez grande, c'était 1,99€ pièce. Et enfin, donc pour terminer en non-scrap, ça j'ai pris pour Poussin parce que c'est un fan de Mickey également, en plus de la patte patrouille, il adore Mickey, pour mettre ses petits crayons, etc. ou s'il veut mettre autre chose, donc c'était une petite trousse comme ça plastifiée qui était à 89 centimes. Ma foi, elle est quand même pas mal grande et pour arranger des petites choses, des stickers ou des crayons ou je sais pas, mais voilà, j'ai pris parce que c'était Mickey et puis comme ça il pourra arranger un peu son bazar. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était non loisir créatif. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon scrap. Alors, j'ai pris cette dentelle à 79 centimes, je crois. Donc, le motif est comme ça, avec des petits arrondis comme ça, avec un trou au centre. Voilà, super sympa. Bon, ça, c'est des basiques, j'ai envie de dire. Et il y a donc 5 mètres pour 79 centimes. Ensuite, donc là aussi, toujours pour mes gnomes, parce que je sais que j'ai une paire grise, une pelote grise. J'ai fait pas mal de gnomes, ce qui fait que j'en ai plus beaucoup et j'ai eu du mal à en retrouver. Donc là, je les ai vues, je les ai prises. Donc ça, c'était pas donné, c'était 4 quelque chose, 4 euros quelque chose. Et elle est quand même différente de celle que moi j'avais, mais elle est beaucoup plus large. Et je crois qu'on m'en avait envoyé un morceau. Donc moi au départ je pensais que c'était un ruban effet fausse fourrure et en fait non, c'est de la laine. Mais moi je vais l'utiliser pour la barbe de mes gnomes, je vais tester et voir ce que ça donne. Je pense que je vais devoir faire ça différemment par rapport à l'épaisseur. D'habitude avec la pelote que j'avais, j'entourais autour de ma main, mais là je pense que je ne vais pas pouvoir, comme le revers est comme ça, ça ne fera pas joli. Donc je ferai un autre système, mais ça ira très très bien pour faire la barbe de mes gnomes et c'est pareil, c'est tout doux. Mais c'était 4 quelque chose, c'était pas donné. Donc j'ai pris la marron et la rose toute claire. Voilà. J'ai pris ces deux pelotes-là. Ensuite,
sur les conseils de Carole qui m'a envoyé un petit message, c'était hier soir. Elle m'a dit de prendre ça chez Action pour mettre, enfin, elle m'a pas dit de le prendre, mais elle m'a dit que c'était hyper pratique pour mettre en dessous de ma tour pour les encres, pour éviter que ça bouge. Donc, ce sont des petits patins en silicone comme ça. Donc, une fois que j'aurai fait le système, je pense que je vais le faire ce week-end, que je vais installer le système pour la faire tourner, je mettrai ça en dessous et puis bah, je vous montrerai. Donc, ça, je crois que c'était 79 ou 89 centimes, un truc dans le genre. Et après, bah, je pourrai réutiliser les autres en petites perles d'eau, ça ira très bien. Voilà. Ensuite, pour mes envois, bon, là j'ai pris des enveloppes toutes simples et basiques. Je crois qu'elles sont à 59 centimes. Et il y en a 50, et là il y en a 10 en format A4. Elles doivent être à 84 centimes. Un truc dans le genre. Enfin bref, c'est pas cher. Donc pour les envois, c'est très bien. Je ne sais pas si c'est en promotion ou pas. J'ai également pris 20 feuilles de, bah, pour ma plastifieuse. Ça, c'est à 99 centimes. Hop. Ensuite, ça aussi, j'en utilise pas mal. Vous savez, c'est les blocs avec le blanc, le craft et le noir. Donc, j'avais utilisé, bah, souvenez-vous, pour ma machine à écrire, le craft et le noir. C'est vrai que pour faire les découpes, le papier est vraiment très bien. Il est bien épais et puis ouais, ça va tout seul. Ou même pour les structures d'albums, il est très bien. Donc, j'en ai pris un. Voilà. Comme ça, j'en ai un d'avance. Ensuite, alors, vous êtes très nombreuses aussi, lorsque je fais la mise en couleur de mes tamponnages avec les feutres alcool, à me demander ce que j'utilise comme papier satiné. Voilà. Donc, le papier est vraiment brillant. Donc, c'est ce que j'utilise moi. Donc, c'est le linen cardstock métallique. Alors, je crois qu'il y en a en couleur un peu crème, comme ça. Et il y en a avec différents coloris, genre du bleu, du marron, du rose. Moi, je prends que le blanc. Je ne prends pas les autres. Et c'est celui que j'utilise. Donc, je fais mes tamponnages avec la Memento. Et ensuite, je fais la mise en couleur avec les feutres alcool. Et ça apporte un petit peu de lumière et de brillant à la colorisation. Et ça fait vraiment très, très joli au niveau du rendu. Donc, comme ça, vous saurez, c'est ce que moi, j'utilise donc pour faire la mise en couleur des tamponnages. Et ça, ça devait être 84 centimes, je crois, ou 89. C'est pas cher. Vous en avez 18 en format A5. Voilà, c'est du 250 grammes. Donc, c'est vraiment du bon papier, je trouve. Après, vous pouvez également les utiliser pour faire des bases de cartes ou des découpes. Mais moi, pour les tamponnages, c'est ce que je prends et c'est top. Ça fait un chouette rendu. Voilà. Et ensuite, donc, nous allons passer aux nouveautés que j'ai trouvées. Donc, j'ai pris des blocs 30-30. Oui, ce n'est pas comme si j'en avais pas. Alors, il y en a qui sont à 1,99 et il y en a un autre qui est à 2,74. Alors, je crois que ceux-là, je ne sais plus. Non, je ne sais plus, il y en a un à 1,99 et l'autre à 2,74. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, always believe that something wonderful is about to happen. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Donc, celui-ci, il a du foil et c'est tout ce qui est texture, en fait. Donc, je mets comme ça pour que vous puissiez voir. Donc là, on a des incrustations un peu style papier mûrier avec des petits pois en foil rose gold. Super sympa. À chaque fois, vous avez donc un normal et un avec du foil. Ensuite, on a celui-ci avec des rayures et puis un effet fausse couture en rose gold également. J'espère que vous voyez correctement. Donc, celui-ci est normal. Là, avec du foil, enfin, c'est que du rose gold d'ailleurs. Hop. Donc là, ça fait un peu un effet laine. Voilà. Ici, on a quelques petites cartes à détourer. Donc, je pense que c'est ce qui doit... Ça doit remontrer les motifs en fait qu'il y a dans le bloc. Ici, bon, alors celui-ci est vraiment très simple. On a juste un petit effet vraiment très discret. Bon, pour moi, c'est une feuille blanche. Hein. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de motif, donc du coup, il n'y a pas de foil sur l'autre. Là, c'est un tronc d'arbre. Super sympa. Là, on a un pelage. Là aussi. Là, on a un effet... Je sais pas, du rotin tressé ou quelque chose comme ça. Là aussi, papier mûrier, mais cette fois-ci avec des tons un peu plus roses. Là, ça fait un peu un effet aquarelle avec des petites rayures. Ça fait un dégradé de bleu vers le orange marron, comme ça. Super sympa aussi. Donc là, c'est le même. Là aussi, on a un effet parquet chevron avec le foil, sans foil. Là, on a un effet moquette.
La moquette ou les tapis en pilou-pilou, j'en ai aussi des tapis comme ça. Ça, c'est quoi une vieille porte, je crois. Ouais, une vieille porte avec la peinture qui part. Hop, donc là aussi, il fait moquette. Moquette ou tapis. Et là, on retrouve le parquet. Super joli. Donc voilà, ça, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'y allais pour trouver les deux blocs automne. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé qu'une fois, je suis dégoûtée. et celui-ci, je l'ai trouvé deux fois, donc je l'ai pris, ce sera pour quelqu'un, bon, enfin bref. Mais ouais, j'aurais bien pris celui-là deux fois, mais il en restait qu'un, donc superbe. Donc là aussi, vous avez foil et pas foil. Donc là, on a une page remplie de coloquintes. Voilà, donc là, sans foil. Là, on a un effet parquet, encore une fois. Donc, les deux sans foil. Là, j'adore. Donc, un joli vert avec tous les feuillages en cuivré. En fait, là, c'est pas rose gold, c'est cuivré le foil, la couleur. Donc, sans foil. Là, on a de jolies cartes à détourer. J'aime beaucoup là, toutes les petites maisonnettes comme ça avec écrit Hello Automne. Ça me fait rire parce que ben, lorsque j'avais fait la carte origami, sur l'automne, je vous disais, c'est dommage, cette année, Action n'a pas sorti de collection sur le thème de l'automne, je suis dégoûtée. Et puis ben, là, nous sommes au mois de janvier et ils sortent une collection automne, ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas? C'est d'une logique, mais imparable. Là, j'aime beaucoup aussi, avec toutes ces petites feuilles comme ça. C'est très joli. Donc là, sans foil. Là, on a des fleurs. Je suis un petit peu moins fan. Enfin, je pense que c'est le fond bleu que j'aime pas. Les fleurs sont jolies, mais j'aime pas le fond bleu. Bon, j'utiliserai, je sais pas comment, mais ouais, j'aime pas le fond. La couleur du fond. Bon, alors là, on en parle de cette magnifique vue sur la forêt. Superbe. Bon, c'est de côté, mais parce que si je me mets là, il y a l'étagère qui va gêner. Là aussi, on a encore du feuillage. Pareil. Bon, alors celle-ci, elle est magnifique. Ça fait très baroque, j'aime beaucoup. Là aussi, même sans le foil, ça fait très joli. Là, on a les feuilles mortes, tapis de feuilles mortes. Là aussi, ça fait un fond un petit peu aquarelle, comme ça, avec des teintes de vert. Deux fois. Là aussi, on a des illustrations à détourer. Là, sans foil. Ici, on a des carreaux. Des losanges, plutôt. Là, on a des petits éléments sur l'automne, tout rigolo. Voilà, sans foil. Là, on retrouve un carreau. J'aime bien la couleur. Et sans foil. Voilà, donc celui-ci, c'est Hot Chocolate, Crunchy Leaves, Cozy Knit, Pumpkins. Voilà, et là, vous pouvez détourer là, ce joli bouquet avec une citrouille en guise de vase. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc celui-ci est magnifique, mais il n'y en avait qu'un. Et celui-ci, donc c'est celui-là que j'avais vu dans les halls et que je voulais. Donc là, c'est recto verso. Donc je vous montre, je sais pas, là, je vais vous montrer le côté là, puis vous verrez après. Donc là, on a un fond vert. Je vais essayer de faire vite. On a du Vichy rouge, pardon. Quand je vois le Vichy comme ça, ça me fait penser à Cochonou, l'emballage. Ah, la référence. Oui, on ne se moque pas. Celui-ci, je suis pas très fan. Le fond noir avec les fleurs rouges, je suis pas, ouais, je suis pas convaincue. L'autre côté, c'est quoi? Ouais, je prendrai l'autre côté, pas celui-là. J'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Là, l'écorce, superbe. Là, ça va. Vous voyez, c'est moins violent. Enfin, j'aime pas trop le noir. Là, avec le fond blanc, ça fait beaucoup plus joli. Après, c'est une question de goût, hein, comme d'habitude. Là aussi, l'écorce d'un arbre. Là, on a un fond avec des petites clés. Damien, c'est pour toi le papier là. Là aussi, on voit plein de troncs en fait avec les branches, etc. Hop. Là aussi, très joli. Du feuillage de sapin avec des pommes de pin. On a un fond moutarde, sympa aussi. Là, des petites cartes à découper avec des feuillages, des fleurs et des champignons. Là, on a des petites cartes de Project Life aussi à détourer. Là, on a différents die cuts, des cadres, des clés, des champignons, etc. Super joli. Hop. Là aussi, j'aime beaucoup. On a un fond marron avec du feuillage champignon. On a le lièvre, on a l'écureuil, le hérisson et c'est tout. Ouais. On a des petites framboises aussi. Super sympa.
Là, bah, c'est exactement le même fond. On voit beaucoup mieux les motifs. Hop. Là, on retrouve du bois, du plancher ou je sais pas, du bois. Là, des rayures. Des petites clés avec un autre fond un peu plus rouge cette fois-ci. Là aussi, un fond dans les couleurs taupe. Là, un moutarde à pois blanc. Là, un rouge. Là, celui-ci aussi, j'aime bien avec les petits pois. Le parquet, l'effet bois. Et le rouge à pois blanc. Super sympa aussi. Voilà, donc je suis super contente. C'est celui-là que je voulais. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, je continue. Ça va être bientôt fini. Hop, j'ai pris. Alors ça, je ne sais pas si c'est des nouveautés ou pas. Je ne les ai pas encore vues dans les... Ah, dans les hauls, bon, en même temps, je ne regarde pas des masses, des hauls. Donc, ce sont des cartes de vœux à faire en diamond painting. J'ai trouvé que le motif était sympa. C'était pas très cher non plus. Alors, je crois que c'était 1,84€ le lot de 4. Donc, vous avez les cartes, vous avez les motifs. En fait, j'aime beaucoup le motif papillon, là. Donc, ça, vous voyez, vous le faites. Et puis, à inclure... Ah, bah, vous avez les enveloppes aussi. À inclure dans un junk journal, ça peut être pas mal. Donc, les motifs sont là. Vous avez celui avec les... Les roses, le hello, le papillon. Et c'est quoi le quatrième? Ah, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Après, je ne sais pas s'il y a tout dedans ou pas. Parce que je vous dis, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais je ne connais pas. Je vais regarder comment que ça se goupille, le truc. Alors. H4, I4. OK. Donc, vous avez la petite coupelle. Vous avez la colle, le stylet. Les enveloppes. Et du coup. Bon, je vais regarder, j'espère que ça va correspondre. Il y a des lettres, mais... C'est quoi ce délire? Là, je vois du vert, ce qui est censé être du vert, et je ne vois pas de vert dedans. À moins que c'est pas ça et que c'est du gris. Bon, si c'est ça, c'est très mal imité. Bon, bref. Bon, après, pour le prix, voilà, c'est pas très très grave, mais je sais pas comment que ça... Je vais regarder. En fait, vous décollez, vous enlevez la petite partie transparente et vous mettez bah, vos diamants dessus. Donc voilà les différents motifs. Donc, good luck avec des roses. Celui-ci est vraiment superbe. Vraiment très très joli. Là, on a le hello avec une couronne et des petites mésanges charbonnières. Et puis là, de nouveau, une rose. Voilà. Je vais regarder avec les petits diamants, là. Et ce sont des diamants ronds. Voilà. Des petits diamants ronds, comme ça. Voilà. Donc, 1,84€. Ça va, je ne me suis pas ruinée non plus. Hop. Au pire, je réutilise les diamants que j'ai en double. Ah ben non, c'était dans les tons bleus, celui que j'avais fait à Poussin. Bon bref, je trouverai une solution s'il n'y a pas les bonnes couleurs. Voilà. Ensuite, là j'ai pris des perles en verre. Il y avait plusieurs coloris, mais j'en ai pris que deux. Donc j'ai pris, alors ça c'était 1,49€ la boîte. J'ai pris dans les couleurs chocolat, marron, caramel, vanille. Voilà, dans les teintes de marron. Super sympa. Donc, vous avez différentes tailles de perles. Donc, je pense que ça doit marcher au poids. Alors, donc, mélange de perles nacrées en vert. Ça doit être au poids. Non, je sais pas. Non, il marque même pas. Voilà. Donc, il y avait plein de coloris différents. J'ai pris celui-ci donc dans les teintes de marron. Et j'ai pris celui-ci dans les teintes de bleu, vert. Enfin, il y avait plusieurs couleurs. Donc, j'aimais bien. Bleu, vert, turquoise, violet, bien évidemment. Et les couleurs sont vraiment sympas pour l'été, ça pourrait être chouette. Le rose pour le chabi et puis ben, pour le thème mer ou je sais pas. Ça m'a fait penser un peu à un thème féerique, les couleurs là, un peu sirène, etc. Donc j'ai bien aimé, donc je les ai pris. Voilà, donc ça c'était 1,49€ et ça fait partie des nouveautés, les petites perles en verre là. Et ensuite... Hop, pour terminer, j'ai pris les nouveaux dies. Alors, il y en a énormément. Je vais vous inclure une toute petite vidéo. En fait, j'étais en train de les montrer et Gwen, elle a filmé. Je vais vous montrer tous les motifs qu'il y a et ceux que j'ai choisis ensuite. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de motifs. Donc, j'ai pris ceux qui m'intéressaient
J'ai laissé les autres, mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés par d'autres modèles, comme ça vous saurez ce qu'il y a exactement. Ils y étaient tous dans mon Action. Et pour info, je suis allée aux Actions à Schengen au Luxembourg. Alors voilà ce que moi j'ai choisi. Donc j'ai pris celui-ci, un peu thème marin, parce que j'ai rien sur le sujet, enfin pas grand-chose. Donc comme ça, si un jour je dois faire une carte pour une personne qui aime beaucoup la mer, etc., donc comme ça au moins j'aurai quelque chose. Donc là, on a un sublime dive avec le phare. On peut voir ben, la mer, la petite mouette sur le tronc là. Super sympa. On a les petites mouettes en train de voler. Bon alors là, pour faire les découpes. Ça va être chaud patate, hein. Surtout celui-là, là, le minuscule, ça va être mon Dieu. Et ensuite, on a Go to the Ocean. Voilà. Donc, si à la limite, l'anglais, ça vous gonfle, vous pouvez garder le mot océan. Voilà, ça ira très bien aussi. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, je l'ai trouvé magnifique. Voilà les motifs. Donc, ça, pour faire un effet. Ben, je ne vous dis pas. Je vous montrerai ce que je ferai avec. Je vais faire une petite carte. J'ai déjà mon idée. Je vous montrerai comment je vais les utiliser. Mais, ah ouais, j'ai craqué direct dessus. Ils sont superbes. Et là, donc, il y en a trois. Vraiment magnifiques. J'ai pris ceux-là. Alors, oui, vous allez me dire, oui, mais tu en as déjà, machin, bidule. Oui, je sais. Mais j'aime beaucoup ces petites étiquettes comme ça, là. Bon, après, celles que j'ai, ce n'est pas les mêmes tailles. Mais j'aime beaucoup là pour faire des tags, pour faire des shakers aussi, ça va être pas mal du tout. Honnêtement, je ne pense pas utiliser les petits dies ronds comme ça là. Je vais faire les découpes sans utiliser ça et je prendrai la crocodile pour perforer. Mais bon, ça, je ne pense pas l'utiliser. Mais j'aime beaucoup là la découpe ronde festonnée, celle-ci, la petite étiquette, là, la bannière, j'adore. Voilà. Et enfin, j'ai pris cela aussi. Pareil, toujours les petites étiquettes pour faire des shakers, etc. Ça peut être super sympa. C'est une forme qui change, donc j'aime bien. Enfin, j'aime bien tout ce qui est étiquette pour mettre les petits sentiments sur une carte ou mettre le mot journal sur la couverture d'un junk. Vous mettez ça et ça fait super sympa. Voilà, bah écoutez, c'était donc mon haul action. Donc super contente d'avoir trouvé des nouveautés. Voilà, les petites perles, les dies, les blocs. Super contente et puis voilà, ben, j'espère que de votre côté vous aurez trouvé des choses sympas aussi. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!